Hey, je vous retrouve. En fait, je voulais juste vous prendre avec moi pour ce midi. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors là, déjà, je vais vous montrer ça. Je vais faire des pâtes. Des pâtes. Si tu veux. En fait, il m'a dit des pâtes au beurre. Alors, je vais faire ça déjà. Je mets à sa place. Et j'ai pas les pâtes qu'il me faut. Ah oui, je n'ai derrière. Attendez. Je vais juste prendre ça pour être un petit peu à hauteur et je vais prendre les petites pâtes. Voilà. Alors ça va être des pâtes au bâtonnet de poisson. Voilà, je vais mettre les bâtonnets, il me semble. Alors, je suis en train de voir. Voilà. Ah, ça c'est mes épinards. J'étais en train de réfléchir, c'était quoi? Voilà, sors tes petits pieds. Bouh, bouh, bouh. Qu'est-ce que tu fais? Bouh, 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 bouh. Bouh, bouh. Ah, voilà pour aujourd'hui. Alors c'est un petit manger que les enfants, ils aiment bien. Et ça va vite. Là, il est parti avec mon paquet. Oh non! Tu donnes à la maman? Tu donnes à la maman? Il faut les cuire avant de les manger. Non, mais je rêve. Voilà. Donc, bon, là, je laisse nos cuire. Je vais juste mettre un petit peu de l'huile. Je vais vous laisser une image, pourquoi pas. Parce que là, j'ai qu'une main et je n'arrive pas. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon fils. Je vais mettre comme ça. Je vais vous tourner. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de l'huile d'olive. Voilà. Et un petit peu de sel. Et pareil pour les poissonnets. Tout ce qui est poissonnets, cordon bleu, des choses comme ça, mettez juste un petit peu de l'huile. Pas besoin de mettre beaucoup. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez? Moi, je mets pas beaucoup. C'est pas bon de les baigner dans l'huile. Voilà. Bon, là, je vais cuire tout ça. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà, alors ça c'est pour mon petit garçon, mon petit bébé. Alors vous inquiétez pas, je sais que c'est une grosse assiette, mais la sienne, je l'ai brûlée. Voilà, en fait, elle était là. Après, j'ai voulu allumer ici. Et du coup, ben en fait, j'ai allumé ici et du coup, elle s'est brûlée. Voilà, alors si vous vous demandez, ça c'est du miel et du beurre pour les bagrir. Voilà, avec la poêle, comme ça je chauffe le baguette ici. Ça, je vais le laver tout à l'heure. Je vais donner d'abord à manger à mon fils. Le petit chapeau là de la casserole, mon fils il me l'a pris, il l'a ramené je sais pas où. Après, je vais fermer tout ça. Et, ou sinon, je le mettrai au frigo. Comme ça, il va manger ce soir. Voilà. Donc, c'est parti. Je ramène à table avec une petite cuillère. Ou un petit fourchette, s'il te plaît. Sakina. Voilà, merci. C'est parti pour manger. Ah, mais il est là, mon petit chapeau de casserole. Là. Il est là. Voilà, encore une fois, ça, c'est mon fils qui touche mes tiroirs. Voilà, j'ai mis du scotch pour pas qu'il ouvre, mais rien à faire. C'est parti, on va l'installer. Attends, attends. Attends, attends. Viens. Attends. On met? Allez, vas-y, mets. Hop là, comme ça. Et comme ça. Heureusement qu'il y a Sakina qui m'aide. Oui. On va s'entraîner.
Oui ou non? Oui ou non? Ah, mais voilà. Ah. Attends, attends, doucement. On va pousser ça. Ouais. Allez. Bon appétit, les enfants. Bon appétit. Et pourquoi je vois pas de l'eau à table? Pourquoi? Non, mais t'es là. Mais c'est moi qui ai mis tout ça. C'est pas grave. On aide son frère et sa sœur, n'est-ce pas? C'est vrai que tu aides pas ta sœur, toi? Hein? C'est vrai que tu aides pas ta sœur? Non, 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 non. Alors, je vais juste mettre de l'eau. Parce qu'ils ont droit à la boisson, mais c'est d'abord de l'eau. D'abord, il faut boire de l'eau. Sinon, il n'y a pas de boisson. Et lui, il est en train de tout me jeter. Bon, je vais vous laisser. Je vais donner à manger au petit et je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, mon fils, il vient juste de finir son assiette. Donc, moi, je vais passer à laver tout ça. Voilà, je vais tout ranger, tout laver. Il est en train de jouer. Je vais tout laver et ensuite je vais on va s'habiller et on va sortir. Voilà, on va sortir, il y a des choses à faire. Alors je me dépêche, je me dépêche. Je vous laisse en image. Voilà, tout est propre. Du coup, là, je vais m'habiller. Alors, il est 13h05. Ah, il est 13h05. Presque 10 d'ailleurs. Il faut que j'aille juste me dépêcher d'aller m'habiller. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs par terre. C'est mon fils. Donc là, regardez encore. Voilà, mon fils. Sachant que j'ai fait le ménage ce matin. Là, je vais prendre des habits pour l'habiller. On va lui mettre ça. Alors, il fait beau, mais il y a du vent quand même. Donc, voilà. Voilà, ça sera ça pour aujourd'hui. Il faut savoir que tous ces habits-là, ça me fait un peu de... Comment dire? En fait, les habits-là, c'est des... À chaque fois que je les vois, ben c'est des souvenirs parce que c'est les habits de mon fils qui a 6 ans aujourd'hui et que, voilà, il mettait quand il avait 18 mois exactement, voilà. Donc, tout ça, c'est des habits à lui. Voilà, après, il y a quelques trucs que j'ai achetés, voilà, comme des chaussettes, des choses comme ça, je viens d'acheter. Mais en général, c'est à mon fils. Alors là, je prends des chaussettes, ils sont tous là. Je voudrais des chaussettes qui vont un petit peu avec ça. Mais je pense que ça, ça va. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais l'habiller. Alors, pour ceux qui se demandent, mon fils, au niveau de
Je vous avais dit dans une vidéo précédente que mon fils, il était malade, en fait. Il avait beaucoup de diarrhée. Là, apparemment, c'est fini. Voilà, je ne l'ai pas ramené au médecin, rien du tout. Je n'ai pas donné de médicaments, rien du tout. Mais après, je me suis aperçue, en fait, que c'est ses dents. Ses dents, ils sont en train de pousser. Du coup, je pense que c'est fait de là, en fait. Voilà. Donc, lui, il est préparé. Je vais jeter la petite couche. Et ensuite, c'est à mon tour de me préparer. Je vous reprends tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Enfin, je vous retrouve. Je vous retrouve. Je vais aller à la poste, la grande poste du coup, parce que mon facteur, il peut pas me laisser les lettres dans ma boîte à lettres. Voilà. En fait, il a mis un mot dans ma porte, enfin dans mon portail, on va dire, dans le portail de chez moi. Comme quoi, maintenant, il faut, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, le temps qu'ils rangent leur patch ou un truc comme ça, il faut que j'aille chercher mes courriers à la grande poste. Voilà. Du coup, ça fait une semaine que je n'ai pas parti parce que je ne vais pas aller tous les jours non plus. Là, je vais y aller. Alors, j'ai environ pour un quart d'heure, 20 minutes à pied. Voilà, c'est... Voilà. Et du coup, j'étais ailleurs. Et du coup, ben là, j'y vais. Je suis avec mon fils. Là, il est dans la poussette. Je pense qu'il va s'endormir. Mais bon, avec le soleil. En plus, j'ai pas pris un truc pour le cacher là. Voilà. Bon, j'espère qu'il va pas s'endormir comme ça. Moi, je vais jouer avec lui au parc. Oh là là, il y a un coup de vent. Là. J'espère que vous allez bien m'entendre. Voilà. Du coup, j'y vais. Je sais même pas si j'ai des boîtes aux lettres parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai de moins en moins de lettres dans la boîte aux lettres. Il y en a quand même, hein, mais. Oh! Hop! Il y en a de moins en moins. Bon. Là, je peux pas parler. Il y a beaucoup de voitures. Je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je vous reprends juste 5 minutes, le temps qu'il n'y a pas de voiture. J'ai fini, je viens juste de sortir de la poste. Alors, il n'y avait pas de courrier pour moi. Voilà. Du coup, je me dirige vers le parc. Le bébé ne dort pas. Du coup, ben, il peut s'amuser un petit peu au parc, sachant que le parc, ça va, il est fait pour son âge, en fait. Et j'aime bien. Un petit peu. En fait, je ne sais pas s'il a changé, mais je sais qu'avant, il était... C'était pour les enfants bas âge. Bon, c'est parti. We get scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down. Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We were kids, now we're all grown. Back in my home. C'est parti. Direction Lidl. Alors, il fait très 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 chaud. Vraiment très chaud. Je viens de marcher au moins. On va dire 20 minutes. Je vous dis pas, c'est vraiment très, très très chaud, c'est trop soif. Bon bref, on va prendre des oranges pour faire le jus d'orange. Voilà. Tout le monde aime à la maison, tout le monde aime le jus d'orange. Et voilà, je vous retrouve 2h30 après. Alors, on est bien rentré. Je suis partie, donc je vous explique. Après Lidl, du coup, comme
Alors, je voulais les 4 quarts, celui-là. Sauf que à Lidl, enfin, là, ils l'ont entamé, mais voilà, j'ai pris un deuxième ici. Je me suis dit d'aller dans un magasin qui est à côté de chez moi. Peut-être que j'aurais retrouvé la moitié, on va dire, un peu plus petit, parce que ça existe des petits 4 quarts. Mais au final, ben, c'était beaucoup plus cher. C'était à 2,50€ le petit, à peu près cette taille. Et marbré en plus. Il était à 2,50€. Donc, je ne savais pas si mes enfants ils allaient vouloir marbrer ou pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée à Lidl et j'ai pris cela. Voilà. Donc, juste, je vais vous montrer un petit retour de course. Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure, pendant la route. Alors, j'ai pris une baguette que j'ai découpée en deux parce que j'ai mis dans le sachet. Voilà, il faut que je le range bien. J'ai pris des oranges que je vais faire avec vous maintenant. Voilà, et si j'arrête de jeter les choses, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau parce que j'avais mon fils et il faisait très, très, très chaud. Il n'a même pas dormi dans sa poussette, du coup, il dort maintenant. Voilà, il a dormi à 17h, du coup, ben, voilà, je vais bientôt le réveiller. Sachant qu'il est presque 19h. Voilà, parce que sinon, il ne va pas me dormir après. Mais je pense qu'il avait besoin de dormir parce que sinon, il allait être très, très, très fatigué, très rognon. Voilà. Du coup, je l'ai mis à dormir. Voilà. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau pour lui donner à boire. J'ai pris ça. C'est des sacs, voilà, si vous le voyez, refermables. Voilà. Voilà, donc ça, ceux-là, ils sont très, très, très bien. Après, un conseil, ne mettez pas beaucoup de choses à l'intérieur parce qu'après, ça déchire. Voilà, ils sont bien, mais ils ne sont pas d'une bonne qualité. Voilà, enfin, ils ne sont pas résistants. Voilà. Donc, franchement, pour mettre des petits trucs et tout à l'intérieur, voilà, c'est très bien et je n'avais plus. J'avais que les grands et j'avais plus les jaunes. Et j'aime bien les laisser de côté. Parce qu'après, surtout chez moi, sachant qu'il n'y a que le Lidl à côté de chez moi, après, je ne vais pas retrouver. Voilà, donc j'ai pris un. J'ai pris les coquillettes parce que je n'avais plus. Voilà. J'ai que le bas de... Là, je vais vous montrer ça. Voilà, ils sont là. Hop, ils sont là. Petit bocal. Il est là, il me reste un petit peu. Donc, il fallait vraiment que je prenne. J'ai trouvé aussi ça. Alors, c'est des tubes décoloration pour gâteau. Voilà. Il y en a 4 à l'intérieur. Et il était soldé à 1,38€. Alors que d'habitude, il fait 1,79€. Voilà, là, il a baissé à 1,38€. Moi, je n'ai déjà 2 à la maison, donc je n'ai pris que 1. Voilà. Et du coup, après, je suis retournée pour prendre, du coup, les 4 quarts. Voilà, donc je n'ai pris 2. Voilà. Voilà, voilà ce qui est pour Lidl. Ensuite, dans mon chemin, du coup, il y avait une association. Tout le monde peut rentrer dans l'association. Pas besoin d'être inscrit, quoi que ce soit. Du coup, je suis rentrée pour voir qu'est-ce qu'il y avait et regardez-moi qu'est-ce que j'ai trouvé. Du coup, j'ai trouvé ça. Alors, c'est une association qui vend des trucs alimentaires et des fois, vous pouvez trouver aussi certaines choses pas alimentaires, mais c'est rare. Hein. Et aussi, tout ce qui est produit dérivé du porc, voilà, tout ce qui est jambon, voilà, tout ce qui est, enfin, comme tout à l'heure, il y avait du jambon et des sandwichs de poulet, mais pas halal, mais voilà, il y avait des légumes, voilà, un petit peu de n'importe quoi, alimentaire. Et du coup, ce que je voulais dire, ce qui est pas halal, ou ce que les musulmans, ils ne mangent pas, eh ben ils le donnent gratuit, voilà, aux Français. Voilà, ils donnent gratuit à ceux qui mangent du porc et tout, donc ils donnent gratuit. Par contre, le reste, tout ce qui est fruits et légumes et des trucs comme ça, là, c'est payant. Voilà. Tout ce que les musulmans peuvent manger, mais c'est payant. Voilà. Alors, c'est pas très cher. Par exemple, moi, j'ai pris celui-là. Alors, il fait combien? Il fait... En plus, ça s'ouvre par là, je crois. Il y a une ouverture là, je sais pas. Alors, je trouve... Ah, il fait 400 grammes. Il est bio. Voilà. Et je l'ai pris pour 1€. Voilà. Et je connaissais pas. Et moi, j'adore ce yogourt à la grecque. Voilà. Donc, c'est un yogourt crémeux à la grecque. Stracciatella. Voilà. J'adore ce yogourt.
Voilà, donc je n'ai pris 3. Alors, il y avait aussi la même chose, mais à l'amande. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne à l'amande, alors j'ai laissé, hein, parce que je ne veux pas le jeter ou quoi que ce soit. Je préfère ça, je sais que je veux le manger. Je ne sais pas. À l'amande, je ne sais pas. Je sais que c'est riche en fibres et tout, mais après, je ne sais pas. Bref. Donc, j'ai mis ça. Et en plus, surtout s'il y a des morceaux d'amande, ce n'est pas trop pour moi. Mais bon. Voilà, moi je préférais ça, donc j'en ai pris 3, donc c'était 3 euros. Et aussi j'ai pris des fraises. Alors c'est des fraises, il me semble que c'est des gariguettes, parce que ils ont l'odeur des gariguettes en fait. Oui, voilà, gariguettes. Voilà. Et du coup il y a 250 grammes, et c'était au prix de 50 centimes. Voilà. Voilà, donc j'en ai pris 4. Et là je vais faire un smoothie. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais laisser que mon mari arrive, il va le faire lui-même. Moi, pendant, je vais faire le jus d'orange. Sinon, je vais le faire aussi tout à l'heure avec vous, je vais voir. Parce que mon mari va pas tarder à rentrer, mais je ne sais pas. Bref, je vais ranger tout ça. Je vous prends tout de suite après pour le jus d'orange. Et voilà le jus d'orange. Alors j'ai eu bien 1 litre. Voilà, j'ai eu 1 litre et un peu plus. Et encore il me restait celle-là. Il me restait une moitié. Bon, je vous retrouve quelques temps après. Alors je finis le jus d'orange et après, ensuite je vous ai pas pris parce que de toute façon j'ai fait juste ma vaisselle. Il n'y avait rien à voir. Voilà. Je vous reprends parce que là je vais faire le milkshake à la fraise. Voilà, je ne vais pas tout utiliser toutes les fraises, juste un ou deux paquets. Je vais voir. Et je vais mettre aussi du coup une banane. Allez, je vous laisse en image. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est ce que vous voyez dans le verre, c'est ça rentrait pas dans la bouteille. Alors j'ai dû le mettre dans le verre. Voilà. Regardez-moi les fraises. Franchement, vous les voyez très 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 bien là. Très joli. Là, je vous reprends encore une fois pour cette fois-ci faire les croissants. Alors je vais faire les croissants jambon. Est-ce que vous le voyez? Hop. Et Kiri, facile, ça c'est facile et c'est vite fait. Voilà, c'est parti, on y va.
ce que ça donne. Bon, là, il est un petit peu sorti, c'est pas grave. Marie, il a pris des pizzas turques. Voilà, donc on mangera ça avec ça. Voilà, on va le mettre tout à l'heure au four. Comme ça, c'est un petit peu chaud, c'est mieux. Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette petite journée avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et c'est juste pour me soutenir. Likez, commentez. N'hésitez pas de commenter. Ça me fait plaisir de partager un petit peu avec vous. Et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification pour avoir plus de vidéos. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Du coup, prenez soin de vous. Bye bye. Restez connectés.